Bienvenue sur TV Clapotis et bienvenue aujourd'hui dans un épisode qui euh, vous fait découvrir la bonne méthode pour réussir votre commentaire à l'écrit. Euh, souvent, effectivement, vous avez du mal à trouver vos axes d'étude, vos sous-parties, parce qu'en fait, vous ne, posez pas, vous ne vous posez pas les bonnes questions dès le départ. Donc, l'idée de ce petit tutoriel, c'est de vous montrer effectivement quelles sont les bonnes questions qu'il faut vous poser lorsque vous découvrez le texte que vous avez à commenter. Alors, on va en fait lister les questions cruciales. Et ce que je vous propose, c'est bien sûr, après avoir vu ce petit tutoriel, de vous essayer sur un texte en vous posant justement ces fameuses questions pas à pas. Et l'idée est toute simple. En fait, vous allez prendre un brouillon et à chaque fois que vous allez vous poser une question, et eh bien vous allez mettre un mot clé sur votre feuille de brouillon. Et vous avez compris que plus vous allez avancer dans les questions, plus vous allez avoir une liste de mots clés qui vont apparaître, qui plus tard vont devenir vos axes d'études et vos fameuses sous-parties. Alors, on imagine aujourd'hui qu'on va s'intéresser à un texte euh, qui serait un texte euh, plutôt à dominante argumentative qui s'inscrirait dans le fameux objet d'étude euh, littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, puisque c'est un objet d'étude obligatoire euh, que vous devez euh, maîtriser et réviser pour les preuves écrites. On est... Le jour de l'épreuve, et vous avez donc vos fameuses quatre heures. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les questions qu'il va falloir vous poser à peu près les trente premières minutes. Et vous allez voir que ça va vous faire gagner énormément de temps. J'ai donc un texte en face de moi qui est un texte littérature d'idées et argumentative. La première question qui va, fa... enfin, les premières questions qui va falloir que je me pose, c'est autour euh, du paratexte. Donc j'ai lu le texte intuitivement et euh, on me donne un paratexte. Alors vous savez, le paratexte, c'est toutes les petites indications qu'il y a autour du texte. Ça peut être le petit chapeau introductif, bien évidemment le nom de l'auteur, l'œuvre euh, dont est tiré l'extrait et éventuellement la date. Et eh bien, je me pose les questions que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce qu'on me donne comme information Est-ce que euh, j'en déduis par la date le contexte historique, littéraire, culturel Le nom de l'auteur et la date devraient m'aider pour trouver le mouvement littéraire Quel est le thème général Et euh, spontanément, est-ce que je me dis que c'est de l'argumentation directe ou indirecte C'est-à-dire est-ce que l'auteur me dit directement son point de vue ou il passe par le biais d'une fiction Et donc face à ces premières questions, j'ai mon brouillon sous les yeux et je me marque. Euh, alors, je ne peux peut-être pas tout, répo enfin répondre à toutes les questions, mais par exemple, si je vois Montaigne, eh bien, je vais mettre sur mon brouillon mouvement littéraire humanisme. Euh, je vais me mettre euh, argumentation euh, directe. Et donc, je vais au fur et à mesure lister les mots qui me paraissent euh, des mots importants qui répondent à ces questions. Deuxième phase, après avoir découvert intuitivement le texte, c'est-à-dire dans le sens où je l'ai lu spontanément une première fois, là je vais commencer à rentrer un petit peu dans le détail et m'intéresser à la structure argumentative. Très souvent, on a des élèves, quand on lit leur copie, on se demande si justement ils ont tout simplement oublier qu'ils avaient affaire à, faire à un texte argumentatif. Donc vous, vous allez vous poser la question, euh, quelle est la thèse finalement qui est euh, exprimée dans ce texte? Est-ce qu'elle est, qu est euh, exprimée euh, clairement, sous-entendue? Quel est le but de l'auteur? Est-ce qu'il défend une idée? Et sur mon brouillon, je vais mettre, bah oui, il défend euh, l'idée de euh, de reconnaître les sauvages, hein, si on garde toujours l'idée de Montaigne. Est-ce qu'il dénonce quelqu'un ou quelque chose Est-ce que, euh, au premier abord, euh, l'organisation du texte est pour moi euh, évidente C'est-à-dire, est-ce que j'ai intuitivement, spontanément délimité euh, des parties euh, très claires Est-ce que ça s'est euh, euh, exprimé Est-ce que ces idées euh, ont été exprimées de façon progressive Et puis. Euh, Pareil, est-ce que j'ai déjà repéré des types d'arguments euh, à dominem, c'est-à-dire que l'auteur euh, s'adresse ouvertement à son adversaire de manière plus ou moins agressive Est-ce que j'ai des arguments d'autorité, de vérité générale ou d'expérience qui, qui euh, tout de suite, spontanément, je les repère assez facilement et sur mon brouillon, bah, je vais mettre, euh, oui, tiens, euh, ligne temps, il y a un argument d'autorité. Alors commencez aussi sur votre brouillon hein, avec les mots-clés à euh, déjà euh, noter des lignes précises, ça vous faire gagner du temps par la suite, ou si vous préférez, fluoter sur votre texte euh, déjà des choses significatives. Donc voilà pour la structure argumentative, et donc pas à pas, au fur et à mesure des questions que vous posez, vous mettez vos fameux mots-clés sur votre brouillon. Autre question à se poser autour de la spécificité argumentative du texte. Est-ce que j'ai à faire un essai, un apologue, une lettre, une utopie, un plaidoyer un réquisitoire Si on prend Montaigne, bien évidemment, vous allez marquer essai. Et dans ce cas-là, est-ce que euh, vous avez repéré facilement le fait qu'il cherche à convaincre, persuader les deux, voire délibérer si vous avez un petit doute euh, sur ces mots-clés convaincre, persuader, n'oubliez pas que euh, vous avez eu certainement un manuel version papier ou numérique qui vous a été donné. Et dans ce manuel, souvent, il y a une partie consacrée au vocabulaire clé par rapport aux objets d'étude. Donc pensez à les revoir. Euh, et si cette phase-là n'est pas encore acquise, bah, vous savez ce qu'il vous reste à réviser. Vous ne pouvez pas arriver le jour J face à un texte argumentatif sans être capable de définir le convaincre ou le persuader. Persuadé. Autre question fondamentale euh, quel est le registre utilisé dans ce texte Est-ce qu'il est polémique, satirique, didactique hein, C'est-à-dire, il délivre un enseignement. Euh, tous ces points-là, il faut que vous les euh, Perceviez, et pareil, donc sur votre brouillon, vous allez mettre registre didactique dominant. Éventuellement, vous allez commencer à mettre des lignes, à flotter dans votre texte. Est-ce que vous repérez des figures de style euh, assez simples euh, Ne vous prenez pas trop la tête à vouloir à tout prix trouver plein de figures de style. Faire un commentaire littéraire ne consiste pas à, avant tout, repérer des figures de style. Si vous en trouvez qu'une ou que deux, c'est pas grave. L'important, c'est que vous les analysiez de façon pertinente et c'est ça ce qu'appréciera l'examinateur. Euh, on ne vous demande pas d'être un stylisticien euh, pointu. Donc encore une fois, ne soyez pas obsédé par les figures de style, il ne faut pas en trouver plein. Euh, ensuite, est-ce que voilà, vous avez des questions rhétoriques, hein, ces fameuses questions qui sont des affirmations déguisées Pareil, vous listez ça sur votre brouillon. Et donc, euh, autre question aussi à vous poser euh, par rapport à l'argumentation directe ou indirecte. Combien de fois euh, on retrouve dans des copies euh, des commentaires dans lesquels il n'y a absolument pas l'évocation de l'argumentation directe-indirecte. Or, c'est un des piliers, on va dire, euh, de ces textes-là, et l'examinateur attend à minima que vous l'évoquiez sous forme d'un axe ou d'une sous-partie. Donc, est-ce que vous avez une argumentation indirecte Et dans ce cas-là, euh, bah, quel genre utiliser Donc, euh, vous voyez, je l'ai évoqué, contes, roman, pièce de théâtre. Si c'est une argumentation directe, eh bien, euh, comment s'exprime l'auteur Quels sont les procédés euh, qui reviennent souvent Et ça fait écho aux questions euh, qu'on a évoquées dans le petit 3. Est-ce que vous avez des verbes d'opinion, de jugement euh, significatif Même chose, vous marquez sur votre brouillon beaucoup de verbes d'opinion, vous marquez éventuellement les lignes ou vous flûtez dans votre texte et une fois que vous avez fait toutes ces vous avez répondu à toutes ces questions vous allez me dire bien sûr vous arrivez de jour j avec ces questions dans la tête hein, puisque vous n'avez pas droit à vos fiches et eh bien qu'est ce que vous faites et eh bien à ce moment là vous allez euh, regarder attentivement votre liste et vous allez euh, donc généralement cette liste aboutit à à peu près euh, une vingtaine voire plus euh, de mots clés sur votre brouillon. Donc, c'est plutôt bon signe. Si bien sûr, vous arrivez face à vos, votre brouillon, vous avez que deux, trois mots-clés, soit c'est parce que vous ne vous souvenez plus des bonnes questions à vous poser, ou parce que bah, le texte, vous le sentez pas, et dans ce cas-là, ne perdez pas de temps. Il vaut mieux perdre 20 minutes et aller vers la dissertation plutôt que d'attendre qu'une heure, deux heures se passent. Et là, ça peut être dramatique pour vous. Mais on est toujours dans une dynamique positive. Vous avez fait votre brouillon et vous avez à peu près une vingtaine de mots-clés, voire plus, ce que certains enseignants, moi la première, utilisent comme impression de lecture. Et bien, sur ces 20 mots, vous allez essayer de garder ceux qui vous semblent le plus important à l'issue de ces quatre rubriques. Quels, sont, quels seraient ceux qui, vraiment, pour vous, illustrerait au mieux les premières impressions, les premières intuitions que vous avez eues face au texte. Et vous essayez d'en trouver à peu près 4 ou 5, ou certains n'en entourent que 2. Et dans ces cas-là, vous avez compris que ces points, ces mots-clés que vous avez entourés vont constituer très certainement vos futurs axes d'étude. Alors vous allez me dire à ce stade, mais qu'est-ce que je fais des autres mots-clés que j'ai mis sur mon brouillon Bien sûr que vous ne les jetez surtout pas vous avez compris qu'en fait les autres mots-clés vont constituer ce qui va euh, représenter en fait les fameuses sous-parties à vos axes d'études. Et en fait en ayant fait cette liste de courses, bah, vous avez pratiquement d'élaborer plus ou moins votre plan à venir. On est d'accord, donc vous avez sélectionné les mots-clés les plus importants, ils vont devenir vos axes d'étude, les autres vont devenir vos sous-parties. Vous synthétisez tout ça, euh, et en une phrase, vous allez résumer en fait pour vous quel est le but de l'auteur en écrivant ce texte, en une ou deux phrases. Et euh, vous forcer à faire cette rédaction est importante parce que c'est ce qui va ensuite apparaître dans l'introduction comme étant euh, la présentation de l'extrait ensuite donc vous formulez clairement vos deux idées qui vous paraissent les plus importantes donc issues de vos fameux mots clés et surtout vous vérifiez euh, c'est un peu la formule magique est-ce que ces deux mots clés qui sont devenus mes axes d'étude se répètent ou se complètent. Et vous avez compris le but de l'exercice, c'est qu'ils se complètent. Euh, si vos deux mots-clés que vous avez sélectionnés se répètent, eh bien, vous allez en chercher un autre dans votre liste pour euh, être sûr que vous n'avez pas traité deux axes d'études qui vont redire finalement les mêmes choses. D'accord Donc euh, vérifiez bien. Euh, vos deux axes doivent se compléter et non pas se répéter. C'est-à-dire qu'ils abordent deux notions. Deux aspects euh, différents euh, du texte. Et en euh, vous fiant à toutes ces questions, il n'y a aucune raison que euh, vous ne fassiez pas, euh, vous n'analysiez pas l'essentiel du texte. Et je vous répète combien de fois on a des, 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 des élèves qui, dans une copie de bac, ont traité un texte qui faisait partie de la littérature d'idées sans jamais évoquer l'idée d'argumentation directe, de convaincre, etc. C'est pas que vous êtes hors sujet, Presque pas loin, euh, et, mais forcément l'examinateur euh, appréciera moyennement, vous avez oublié des points essentiels euh, à traiter sur ce texte. Alors pour vous aider, n'oubliez pas donc vous avez euh, euh, certains tutos euh, et certains aspects euh, qui sont évoqués sur notre chaîne YouTube TV Clapotis, mais vous avez aussi les podcasts éducatifs que vous retrouverez sur la plateforme Clapotis euh, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à y retourner euh, régulièrement à nous faire aussi des commentaires sur la chaîne euh, qui peuvent être sous forme de questions si vous avez besoin davantage de, de précision. Et puis d'ici là, on vous dit donc à très vite sur Clapotis, sur TV Clapotis, et donc euh, très bon travail et très bonne révision à vous.